Hello and welcome to our brand new series of guided everyday conversations in English. Chers amis, comme vous l'avez compris, cette semaine, on démarre une toute nouvelle série toute fraîche que j'ai spécialement concoctée pour vous. À l'honneur, toute une série de conversations de la vie courante en anglais. Cette semaine, puisqu'on est enfin débarrassé de nombreuses restrictions avec ce satané virus, certains d'entre nous ont la chance de pouvoir voyager. Mais attention, car de nouvelles règles s'appliquent ces temps-ci, et nous allons les découvrir tout de suite avec notre charmante hôtesse d'accueil dans l'avion. Voici donc le dialogue que je vous propose de traduire aujourd'hui. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Merci. Puis-je voir votre numéro de siège, s'il vous plaît? Oh, je ne le connais pas. Regardez sur votre billet, il sera dessus. Oh oui, vous avez raison. Excusez-moi, je crois que je l'ai dans ma poche ici. Ah, le voilà. Merci. Votre siège est le 18B, tout au fond de l'appareil sur la gauche. Merci, vous êtes très aimable. Je vous en prie, passez un agréable vol, monsieur. Je vous retrouve tout à l'heure. Quelques instants plus tard. Messieurs, dames, tout l'équipage vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Londres. Ma collègue va vous expliquer les règles de sécurité à bord à présent. Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Merci Steve. Messieurs, dames, lorsque le voyant rouge est allumé, cela signifie que vous ne pouvez plus circuler librement dans l'appareil. Vous devrez demeurer assis jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Nous souhaiterions aussi rappeler aux passagers que ce vol est un vol non-fumeur. Veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Nous allons bientôt décoller. Nous sommes à votre service pendant toute la durée du vol. Bon vol! Pendant le vol. Tout va bien, monsieur? Vous avez l'air un peu pâle. Oui, je suis un peu nerveux en avion. Tenez, buvez un peu d'eau, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Je vous en prie. Êtes-vous bien installé? Oui, je suis très bien. Et ravie d'être du côté hublot, ça me détend. C'est formidable, monsieur. En général, les gens qui souffrent du mal de l'air préfèrent le côté couloir. C'est plus facile pour se rendre aux toilettes. Je pense qu'avec le verre d'eau que vous m'avez donné, ça devrait aller. Ravie de l'entendre. J'espère que votre vol sera agréable, monsieur. N'hésitez pas à me solliciter. Merci infiniment. Alors, vous savez qu'avant de vous donner toutes les réponses, moi j'aime bien vous faire un petit peu travailler. Non pas parce que j'ai envie de vous torturer, mais parce que c'est bien plus efficace pour votre cerveau. Vous vous rappelez de notre première vidéo? C'est celle où je vous expliquais que plus le cerveau est actif, plus on apprend vite. Du coup, tous les efforts que vous faites pour traduire vous-même sans demander à l'ami Google de traduire mot à mot, c'est tout un travail récompensé et vous apprenez l'anglais super vite. Du coup, je vous propose une petite liste de vocabulaire à chercher pour vous aider à traduire l'ensemble des phrases. Alors, la voici. Bienvenue à bord. Siège. Connaître ou savoir. Un billet. Avoir raison. Pardon ou excusez-moi. Une poche. Un appareil ou un avion. Un vol. Messieurs, dames. L'équipage. Un ou une collègue. Règles de sécurité. Le voyant rouge. Signifier ou vouloir dire. Circuler à pied. Passager. Ceinture de sécurité. Décoller. Avoir l'air pâle. Être nerveux. Côté hublot et avoir le mal de l'air. Allez, c'est à vous maintenant. Je vous retrouve très très vite pour la correction. Have fun! Et nous revoilà. J'espère que vous avez pris du plaisir à jouer avec les mots de ces deux belles langues que sont l'anglais et le français. Sans plus attendre, la correction. Ne vous en faites pas, je vous explique tout dans la correction guidée juste après. Morning! Good morning, sir. Welcome on board. Cheers. May I see your seat number, please? Oh, I'm afraid I don't know what it is. Take a look at your ticket. It will be on it. Oh yes, you're right. Sorry about that. I think it's in my back pocket. Yep, there it is. Thanks. Your seat is 18B, right at the end of the aircraft on the left side. Thank you, you're very kind. You're very welcome. Have a nice flight, sir. I'll see you in a few minutes. Nous y voilà, c'est l'heure des explications. Alors pour commencer, le titre nous apprend quelque chose d'assez intéressant. En anglais, dans quasiment tous les transports, plutôt que de dire « dans l'avion »,« in », qu'on traduirait littéralement « in the plane », l'anglais va avoir tendance à se voir « sur l'avion » ou « sur le train » par exemple. Donc ce ne sera pas « in the plane », ce sera « on the plane », « on the train ». Par contre, « in the car », c'est une exception. Alors « bonjour », je vous l'ai traduit par « morning », parce que « morning », on est passager, on est relax. Vous allez voir que dans ce dialogue, ce qui est assez intéressant, c'est les différents registres de langue. Parce qu'on a donc un passager qui est tout à fait correct, mais qui est plutôt dans l'anglais qu'on appelle « casual », relaxé. Alors que vous avez l'hôtesse d'accueil et tous les membres de l'équipage qui se doivent de garder un langage formel envers leur clientèle, bien que sympathique. Donc, morning, c'est pour témoigner du fait qu'on soit détendu, si vous voulez. Donc, morning, bonjour monsieur, good morning sir. Bienvenue à bord, welcome on board. Alors, vous voyez qu'ici, notre à bord, il est en un seul mot en anglais.
on board. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ce sera pas inboard, ce sera on board, sur l'avion. Merci, cheers. On peut dire aussi thank you ou thanks. Cheers, c'est une manière britannique, comme on l'a vu dans la première conversation hier, de dire merci. On peut aussi l'utiliser pour dire au revoir à quelqu'un. Et remercier en même temps. Par exemple, si vous allez au supermarché et qu'on vous donne votre reçu, vous vous apprêtez à partir et vous voulez en même temps remercier, donc vous pouvez dire cheers. Puis-je voir votre numéro de siège, s'il vous plaît? Alors ici, encore une fois, donc c'est l'hôtesse qui parle. Donc elle va avoir tendance à utiliser la formule la plus polie pour demander est-ce que je pourrais voir votre numéro de siège? Donc elle va utiliser may I. May I see your seat number, please? Elle peut aussi dire could I see your seat number, please? Et ensuite, on peut aussi dire « Can I see your seat number, please ?» On va crescendo. « Oh, je ne le connais pas. » Alors, « Oh, I don't know what it is. » Alors, on a rallongé un petit peu la phrase ici, parce qu'en anglais, on est simplement un peu plus descriptif quand on parle. Donc, plutôt que de dire « Je ne le connais pas », en fait, c'est vague. Ça pourrait être une personne, ça pourrait être un document. Ici, en l'occurrence, on parle d'un numéro de siège. Donc, « I don't know what it is. » Je ne sais pas ce que c'est, pour être un peu plus précis. Et le petit « I'm afraid », je voulais rajouter, parce que c'est une manière très britannique et très polie de répondre de manière négative. Est-ce que vous avez une information ? Ah, j'ai bien peur de ne pas l'avoir. J'ai bien peur de ne pas savoir ce que c'est. Donc ici, « I'm afraid, I don't know what it is. » De nouveau, il y a plein d'autres manières de le dire. Ça, c'est une suggestion qui risque d'avoir tendance à être plus utilisée dans ce contexte-là. Regardez sur votre billet, on conseille quelqu'un de regarder. Take a look. Regardez donc sur votre billet. Take a look at your ticket. Il sera dessus. Ici, futur simple. It will be on it. Oh oui, vous avez raison. Oh yes, you're right. Ou alors that's right. Soit vous avez raison, soit ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Alors excusez-moi, c'est pas seulement sorry. On est dans l'échange poli, donc on va avoir tendance à préciser ce pourquoi on s'excuse. Donc plutôt qu'un sorry vague, ce sera sorry about that. Excusez-moi à ce propos, à ce sujet-là. Je crois que je l'ai dans ma poche. I think it's in my pocket, in my back pocket, parce que c'est en général là où on met son portefeuille par exemple et possiblement son billet. Donc c'est juste pour être plus précis, mais ça n'est pas du tout essentiel. Et ensuite, ah, le voilà. Encore une fois, là, on est dans le registre informel. Monsieur, en l'occurrence, écoute ses émotions. Il fait pas particulièrement attention à son langage. Il dit yep. Yep, c'est le oui décontracté. There it is. Le voilà. There it is. Comme on a vu dans la conversation numéro 1. Quand la passagère tendait son passeport à l'hôtesse, elle lui a dit le voici. Here it is. Ben là, c'est la même façon de le dire. There it is ou here it is. Merci, votre siège est le 18B. Thanks. Your seat is 18B. Tout au fond de l'appareil. Alors, tout au fond, ça va être right at the end of the aircraft. Elle aurait aussi pu dire at the end of the plane, mais comme elle utilise un langage professionnel, en général dans les avions, les équipages utilisent le mot aircraft sur la gauche. Sur la gauche, attention, on the left side. On précise. Sur le côté gauche. Merci, vous êtes très aimable. Thank you, you're very kind. Ou alors you're very nice, qui est tout à fait possible aussi. Je vous en prie, you're very welcome. Pour dire je vous en prie, on se souhaite la bienvenue. Très chaleureusement en anglais, d'où le you're very welcome. Passez un agréable vol, have a nice flight sir, ou alors enjoy your flight sir, même chose. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, ça veut tout simplement dire qu'ils vont se revoir, donc on utilise le verbe see. I will see you in a few minutes, dans quelques minutes, ou alors in a little while, dans un petit moment. Et voilà, I hope you had fun. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. Je vous retrouve demain pour le reste de la conversation. Bye bye!